parce que nous avons fait marcher à marcher, hein, parce que nous avons fait économiser, nous avons fait aller. Les Cati, ça a fait aller. C'est bon. Nous toujours là, nous toujours quartier B, toujours bien. Et puis il n'y a pas de problème. Alors présentez-nous ce que vous avez sur votre stand. Stand? Eh bien, il y a des mangos, il y a des caïmites, il y a des cannelles, il y a des jambons, il y a des lignames, il y a des oranges, il y a des figues pommes, il y a des vanilles, il y a des plantes tolomans, farines. Alors, nous sommes près du stand de Madame Sydney, donc qui est une marchande habituel qui a l'habitude de travailler avec nous au sein du marché. Et comme d'habitude, ce sont des dispose de produits assez variés, donc des produits artisanaux, des épices, pâte à colombo, des oignons, et puis toute une série de produits d'ordre décoratif. Bonjour, je me présente, je suis Cynthia Godésir. Ici aujourd'hui sur le marché couvert du Saint-Esprit, je vous propose des œufs fermiers qui viennent du Marigot. Donc nous avons des œufs marrons, des œufs blancs, c'est une variété de pondeuse américaine et les œufs sont beaucoup plus légers, plus digestes que les œufs classiques bruns qu'on connaît. Et nos œufs sont des poules élevées au sol, sans chlordécone. Et c'est mon époux qui est l'éleveur, donc très fier de vous proposer mes produits qui viennent du Marigot. Et ça se passe très, mais très, très bien avec l'équipe du marché du Saint-Esprit. Ils sont vraiment très chaleureux. La chaleur du sud est très agréable par rapport à la fraîcheur du nord. Donc, je suis très heureuse d'être là et de partager mes bons produits avec le sud. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Je m'appelle Christian Rilos. Je fabrique des produits à base de la végétation locale. Ce sont des produits transformés de la végétation locale que je fais. Donc, ça répond à certains besoins. Généralement, je fais des produits pour répondre aux besoins des personnes qui viennent, qui passent, qui me demandent ceci ou cela. Donc, voici par exemple un produit, le baume l'appli, qui est fait simplement avec des herbes, et notamment le zoé mouton, que tout le monde connaît, et qui donne d'excellents résultats pour les sportifs, pour ceux qui ont des maux divers, et aussi contre les piqûres de moustiques. Il y a ici les vinaigres qui sont faits, vinaigre de cerise, vinaigre de coco, vinaigre de groseille, vinaigre de moringa. Ce sont des vinaigres qui sont très intéressants, par exemple, pour nettoyer un petit peu le tube digestif et aussi pour faire à manger.